Bonjour à tous et à toutes, me voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va donc répondre et voir ensemble ici, donc c'est un problème assez récurrent, donc qui revient assez souvent dans les commentaires. Donc c'est l'apparition du problème de synchronisation lorsque la montre, l'application plutôt indique terminer puis s'engager, toujours avec l'application Fit Pro. Donc ici, je voudrais revenir ici sur ce problème. Donc une fois que vous avez ce souci où il n'est pas indiqué à 4 reprises, donc terminé, où la synchronisation n'est pas complète, la conséquence bien entendu c'est que votre montre ne sera pas synchronisée. La possibilité qui existe dans ce cas-là, et c'est important de savoir, c'est le mauvais code, c'est-à-dire la montre qui ne correspond pas du tout. Donc le code de la montre qui ne correspond pas du tout à l'application. Donc je vais vous montrer ça ici actuellement. Ici j'ai pris deux montres connectées, donc chaque montre a son propre code. On va voir ça ensemble. Donc pour voir le code, on va ici dérouler. Arrivant sur mon, on reste bien appuyé. On fait défiler à nouveau. Et donc ici, on a donc la troisième ligne en partant du bas, BFB. Pour cette montre-ci, elle correspond à BFB au niveau du code. Pour celle-ci, donc sachant que chaque montre a son propre code de connexion, de synchronisation avec l'application, donc on fait défiler à nouveau, on reste bien appuyé sur mon. On fait défiler à nouveau. Et donc ici, on obtient un autre code qui se termine par B1D. B1D pour celle-ci. Donc, lorsqu'on essaye ici de connecter, donc ici simplement, je vous montre cette montre est bien connectée avec la celle-ci. Donc BFB à la fin. Donc, une fois que je délie la montre, je veux essayer de connecter à nouveau celle-ci. Donc je dois délier cette montre-ci. Je clique sur enlever. Je confirme. La montre est bien déliée. Une fois que j'essaie à nouveau de connecter donc la montre, donc, lier les différents scans. Donc la montre va ici procéder à la recherche de différentes montres. Donc ici, si vous avez plusieurs montres tout près de vous, ça peut poser un problème éventuellement. Donc essayez d'éloigner, parce qu'il y a un captage au niveau Bluetooth, donc d'essayer d'éloigner si vous avez une ou plusieurs montres à côté lorsque vous essayez de synchroniser la montre, essayez d'éloigner les autres. Donc ici, on va essayer de synchroniser celle-ci. Donc celle-ci, si j'ai bon souvenir, donc c'est BFB à la fin, on va vérifier. Donc c'est bien BFB. La première ligne ici correspond à BFB. Si j'essaye, ou je me trompe tout simplement, et que je clique sur la mauvaise montre, à ce moment-là, ça m'indiquera terminer, puis s'engager. Ça veut dire tout simplement que j'ai cliqué sur le mauvais code. Donc, ce qui me en résultera, donc il n'y aura aucune connexion de fait, donc cette montre-ci ne sera pas connectée. Donc, bien tâcher pour ne pas avoir affaire à ce problème-là de synchronisation, bien faire attention au code, et alors aux différentes possibilités que propose la montre. Donc actuellement, mon téléphone, l'application Fit Pro s'est synchronisée avec une certaine montre, donc qui se termine par 0039, qui ne correspond, qui
ne correspond ni à celle-ci, donc qui est BFB, ni à celle-ci. Donc on va vérifier ensemble le code. Donc ici, lorsqu'on vérifie le code de celle-ci, la troisième ligne, en commençant du bas, c'est B1B. Donc bien faire attention au code pour synchroniser avec l'application Fit Pro et vous n'aurez pas ce problème-là. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner pour avoir toutes les nouveautés. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Jam.